Dans le but de mieux aborder cette rentrée académique 2019-2020, le ministre Mukanyi Iwangu a tenu à rencontrer ses collaborateurs acteurs de l'enseignement supérieur au Gabon. À l'ordre du jour, d'une part, la situation des différents établissements et le bilan de l'année académique 2018-2019, qui pourtant n'est pas encore bouclée dans plusieurs établissements, à l'instar de l'université Omar Bongo, où les étudiants seraient encore en phase des examens de rattrapage du premier semestre. D'autre part, le lancement de l'année académique 2019-2020. Au cours de ces assises, le ministre de l'Enseignement supérieur a pris le taureau par les cornes en exhortant les partenaires sociaux présents à cette rencontre de regarder tous ensemble dans la même direction, et ce, dans l'intérêt du Gabon. On doit déjà retenir une chose, c'est que l'université, c'est le temple de la science et de la connaissance. C'est un espace dans lequel les gens savent échanger, y compris sur leur différence. Nous avons appelé à une sorte de concorde civile au sein des acteurs de l'université, en indiquant que nous allons pouvoir nous retrouver si tant est que l'université est l'intérêt commun de l'ensemble de ses composantes. À partir de ce regard-là, nous n'avons que des solutions à explorer. C'est celle-là que nous sommes engagés à explorer à partir d'aujourd'hui, pour qu'à l'échéance de lundi prochain, face à M. le Premier ministre, l'université gabonaise puisse parler d'une voix forte, d'une voix précise, qu'elle prenne ses responsabilités devant la construction de la nation, parce que la nation attend beaucoup de son université. Et nous avons pris l'engagement à partir de ce soir de voir quelle la part que l'université doit pouvoir apporter dans la construction de son pays. L'autre pan de cette entrevue était dans l'optique d'élaborer de manière unanime un cahier de charges qui sera soumis auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, pour une rencontre prévue dans les tout prochains jours. Les syndicats ont signifié leur adhésion à cette future rencontre qui, espèrent-ils, ne viserait que l'amélioration des conditions de travail dans l'enseignement supérieur au Gabon. Le Premier ministre qui souhaiterait rencontrer toutes les composantes de l'enseignement supérieur afin de débattre en toute objectivité et sans tabou, des problèmes qui minent et surtout viser les perspectives de sortie des différentes crises au niveau de l'enseignement supérieur. Nous avons donc pu échanger avec le ministre de la tutelle en toute sérénité. Nous avons arrêté des certaines stratégies de manière consensuelle et nous aurons une séance jeudi pour faire le point de la réflexion qui sera menée au sein de chaque composante de l'université. En attendant la rencontre avec le Premier ministre, chef du gouvernement, les syndicalistes maintiennent leur mouvement de grève.